Si je dis qu'en fait, pour aider les gens, le mieux c'est d'être pragmatique, c'est qu'il faut pas sombrer dans le discours victimaire, parce qu'on peut faire aussi des concours victimaires pour savoir qui souffre le plus. Bon, après, le truc c'est que c'est parce que avant tout, il faut rester dans un certain écart par rapport à la chose pour pouvoir mieux voir toute la scène. Et quand on voit toute la scène, on peut observer les détails. Et bon, ça part d'un point de vue hypermétrope, bien sûr. Faut observer les détails. Et puis après, là, on cogite un peu, on se dit, mais on ne se rend pas compte. Mais en fait, par exemple, dans cette histoire qui s'est passée avec cette femme mère voilée, qui a été ostracisée, dénigrée par un élu d'extrême droite, qui était présent sur la scène. Cette femme, déjà, elle était dans le public, donc elle avait rien à voir avec le discours. Il n'aurait pas dû y avoir ça. En fait, elle était citée à comparaître. En fait, ça s'est retourné en tribunal contre elle, puisque le tribunal de l'extrême droite, mais donc d'une partie des Français, contre cette femme portant un voile, en l'occurrence un hijab, un foulard islamique. Donc, ce qu'on n'a pas noté, en fait, parce qu'il y a eu des deux côtés, il y a le pour le voile, contre le voile, enfin bref, c'est le bordel. Et derrière, en fait, l'enfant, l'intérêt de l'enfant pour la sortie pédagogique. Un hémicycle politique, attends. L'enfant, il a quel âge? Il est en collège maximum. Ça l'intéresse beaucoup, hein. C'est vachement intéressant pour un collégien d'aller visiter un hémicycle politique. Mais il était peut-être en primaire, en fait. Qu'est-ce que j'en sais, dans le fond? Primaire? Intérêt? Ou maternelle? Parce que j'ai pas bien vu, en fait. Et du coup, je me dis, mais là, franchement, on a atteint le summum, quoi. Quel est l'intérêt de l'enfant? En quoi un enfant s'intéresse? C'est là qu'ils vont nous sortir tout un speech dans lequel, oui, cet enfant est un futur prodige, s'intéresse à la vie politique. Ah, ben c'est sûr, c'est vachement intéressant. Surtout en France. Je sais pas, il irait en Suisse. Ouais. Mais pourquoi pas à ce compte-là visiter la Banque de France, tant qu'on y est.